ça se passe en 1/14 de seconde, c'est-à-dire en un battement de cils. Donc quand vous êtes sur la moto, vous n'avez rien le temps de faire, hein. Ni de freiner, ni d'accélérer, ni de coucher la moto, c'est trop tard. D'où l'intérêt d'avoir un équipement pour avoir le moins de dommages corporels dans ce type d'accident. Petite précision, si je peux me permettre, mesdames, messieurs, vous l'avez certainement deviné, je suis d'ordinaire très bavard, mais volontairement, au moment de l'impact, nous allons nous taire et vous allez voir le bruit de l'impact, c'est impressionnant. Action, sécurité routière. Je voulais juste, bien éclairer, c'est pas les gens qui sont dans l'air là-bas. Si vous avez pu décaler soit tout en haut, soit à gauche, la moto peut aller très très loin. C'est très volatile une moto à 50 km/h. On ne se rend pas compte, mais depuis de longues années qu'on fait ça, nous le sait. Bien évidemment, ne pas en produire. Pascal est un professionnel dans le domaine des accidents comme ça, en matière de sécurité routière. Il y a des précautions à prendre. Regardez, on parle après. J'entends plus de bruit, pourtant vous êtes nombreux. 50. Je répète que ça, c'est un choc à 50 km/h, un choc en ville. Le mannequin qu'on utilise fait le poids d'un adulte. La Pascal est en train de vous démontrer que le GDRAC est bien déclenché et qu'on peut taper en renfermé en statique. Je vais te laisser te déséquiper. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'un GDRAC, ça protège bien évidemment la colonne. Celui-ci descend très très bas, il protège aussi le coccyx. Devant, c'est gonflé aussi, donc tous les organes qui sont derrière la côte sont bien protégés. Et on a aussi un avantage, tout à l'heure vous voyez bien, la tête elle touche pas le sol. Donc quand on glisse, ça a tendance aussi à bien soulever les têtes, la tête. Alors j'ai un monsieur tout à l'heure qui m'a dit, moi j'hésite, parce que j'ai peur de rebondir avec le gilet airbag. Non, non, on ne va pas rebondir, c'est un coussin qui gonfle, ça vous permet de glisser moins longtemps, de protéger colonne, organe, cervicale, mais en aucun cas, on va rebondir. Après, ça se reconditionne. Il suffit de changer la cartouche de gaz. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur le stand de sécurité routière. Alors. Je l'ai filmé. Alors, on va équiper Pascal d'un gilet airbag. On va faire une démonstration en statique. Donc, il va aller se placer sur les escaliers là-bas. Et après, il passera au milieu de vous et vous pourrez taper. Mais vous pourrez taper sur le mur devant et vous verrez que l'airbag, quand il se gonfle, ça protège vraiment bien. Vous pourrez vous venger de ce qu'il a fait à cette pauvre moto pour la bonne cause, bien évidemment. Je vous demande mon chapeau d'applaudir à la plateforme l'équipe de la sécurité routière. Parce qu'il est évident, je rappelle que cet exercice n'est pas pour plomber l'ambiance, mais pour vous rappeler qu'en matière de sécurité, eh bien c'est important, parce que notre but, eh bien c'est que vous soyez tout aussi nombreux dans 2 ans pour ce prochain salon, et en pleine forme, bien entendu. Donc voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de l'efficacité, pour celles et ceux qui sont tout là-haut, l'efficacité de ce... principe de gilet airbag. Peut-être un petit mot de notre ami de la sécurité routière sur ce gilet, si on veut se le procurer. Le petit bouton vers le haut. Voilà, c'est bon. Oui, mais pour se le procurer, chez n'importe quel équipementier maintenant, d'affiche, d'access, vendre ce type d'équipement de gilet ou de blouson avec un airbag intégré à l'intérieur. Bye-bye.
Chaotique, mais qu'il connaît maintenant parfaitement depuis hier.
qui va lui permettre de vous offrir le meilleur. Il est consacré à la plus grande partie du monde, Christophe Léopold, mesdames, messieurs. Regardez un exercice qui a l'air très facile et anodin, et pourtant très difficile. Il s'agit de répartir les masses et le poids entre le poids du pilote et celui de la machine. Je rappelle qu'une telle machine avoisine les 200 kg pour développer jusqu'à 115 chevaux du haut de ses 850 cm cubes. On applaudit, mesdames, messieurs. Et il n'est pas au bout de vous surprendre. Regardez, on l'applaudit, mesdames et messieurs. On a entendu comme moi, que le monde est plus important que moi. Allez, on l'encourage. Allez, c'est une tentative. Est-ce que vous êtes là, le public? C'est un garçon qui n'aime pas le chef. C'est un garçon qui n'aime pas le chef. Allez, public, on l'encourage. Mesdames et messieurs, applaudissements. Alors, deuxième Draxler, deuxième qui est aussi. Un bon départ.
qui peut être aussi la fédération convertible dans les voitures. Alors, pour ça, sur une piste qui adhère, ce genre de moto, les 20 premiers mètres, il est à 100 à l'heure en moins d'une seconde. C'est facile. Si vous voulez voir ça, il y a chaque jour bientôt le 7 et 8 juillet. Et il y a lui qui est là. Au championnat de France. Et là, vous avez tout le monde. Un burn et un rolling qu'on appelle, mais bah, il va éviter de mettre gaz, parce qu'en plus c'est des boîtes auto, et si on engage la deuxième, il faut engager la 3, la 4 et la 5. On est obligé, on casse. C'est là où on retrouve en pension. Je vous demande d'applaudir très très fort, et ce burn, et ça chauffe, ça c'est histoire de vous enfumer, vous voyez. De vous rappeler, ça fait venir le soleil, parce que le soleil il dit tiens, il y a de la fumée, c'est la saison des marfocs, donc il faut que je monte le bout du nez. Vous voyez, c'est une complicité ça. Ah mais ça me donne une idée, pour faire venir le soleil, hein, on va tous inviter ces messieurs avec leur braster à la maison, comme ça ça va faire office de marfoc et ça va attirer le soleil, pourquoi pas. Eh, en tout cas on va les applaudir très très fort, démonstration pour vous. Vous l'avez entendu, est-ce que les vitesses passent, parce que là, ça irait très très loin, très très fort, donc on ne peut pas se permettre ce risque-là, bien entendu, étant donné la piste qui reste courte. Voilà, je vous demande d'applaudir très très fort, c'est passionné de Baxter, il va revenir vers nous, vous allez pouvoir le saluer une dernière fois pour cette séquence. Je vous rappelle quand même qu'il va y avoir... Ensuite, eh bien, c'est Dominique qui va vous expliquer qu'il y a encore dans ce salon plein de choses à voir. Nos grands fonctionnaires qui vous attendent, fidèles au poste, nos passionnés, nos différents stands qui composent et assurent la bonne tenue, le niveau, parce qu'il faut dire, hein, le salon de la moto à Limoges atteint quand même un certain niveau. On vous voit un peu Draxler. Voilà, on espère qu'il va pouvoir revenir jusqu'ici. Je vous dis. Ça fait une fois. Comment te dire si moi ça fait une fois.